Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une partie de It's a Wonderful Kingdom, qui est un jeu dans la lignée de It's a Wonderful World, avec des mécanismes un petit peu similaires, mais il y a quand même des variantes. C'est un jeu de Anthony Wolf et Frédéric Guérard, chez la boîte de jeu et Ori Games. Donc, dans ce jeu, les ressources, nous avons des matériaux, en violet de la population, en jaune de l'or et en bleu de l'exploration. Donc il y a toujours les cristalliums et les petits bonus de suprématie sont représentés par des jetons soldats. Nous avons également en carte de base les duchés, donc le duché de Valados ou le duché de Terécy, qui en face B sont identiques, apportent exactement les mêmes ressources. Et en face A, c'est un petit peu différent. Mais moi, je vais prendre la face B, parce que la face A, en fait, enlève 15 points à la fin de la partie. Donc, je vais choisir, par exemple, le duché de Valados. Toujours pareil, avec 5 ressources, on peut obtenir un cristallium. Dans ce jeu, il y a des règles de base, mais on doit également jouer avec un module. Et là, j'ai choisi le module quête. Ce sont, en fait, les quêtes sont représentées sur ces 3 cartons qui sont recto verso. Recto verso pour la face 1 joueur et la face 2 joueurs. Donc il y a donc 3 quêtes différentes et je vais donc les mélanger. Bon, devant vous, peu importe. Je vais prendre par exemple. Allez, je vais dire que je vais prendre la deuxième. Voilà. Donc c'est les terres du Nord en face solo. Donc ça veut dire au cours de la partie, on a des objectifs à réaliser et obligatoirement le quatrième. Qui dit qu'on a à ce moment-là gagné la partie. Si le quatrième n'est pas réalisé, la partie est perdue. Quand on réalise un objectif, on place un de ces petits jetons dessus. Donc on doit envoyer des éclaireurs en payant 4 jetons soldats. On peut prendre jusqu'à 2 cartes. Alors ces cartes-là, ça s'appelle des cartes monuments, dans la défausse et les placer dans notre zone de construction, si on paye 4 soldats. Si je paye 6 matériaux, je peux placer jusqu'à 4 cubes bleus sur une ou plusieurs cartes en construction, donc c'est un petit peu un échange de ressources. Je peux corrompre les géants en payant 7 or et en gagnant 4 cristallium. Et ce que je dois faire obligatoirement, c'est conquérir le nord en payant 12 soldats. Il faut que j'ai obligatoirement 2 cartes avec le symbole bleu qui sont des cartes de découverte dans mon duché. Et je gagne 2 cristallium si je complète cette étape avant le début de la quatrième manche. La partie se joue en 4 manches. Donc ça, ce sera un de mes objectifs de la partie. En plus de scorer au maximum, parce que dans le module quête en mode solo, on doit faire médaille de bronze 70 points, médaille d'argent 95 et médaille d'or 115. Alors, il y a une petite règle un peu différente qui dit que lorsque j'ai besoin de ressources, les joueurs peuvent utiliser les ressources qui sont dans leur zone d'alchimie, c'est-à-dire ici. Alors que normalement, les ressources qui sont posées ici ne servent qu'à faire du cristallium, mais là, on pourra les réutiliser. Voilà. Donc, en mode solo, on a également des jetons espions qui vont nous permettre de regarder certaines cartes. Parce qu'à la différence de It's a Wonderful World, il y a quand même des petites modifications au niveau de la récupération des cartes. On ne fait plus des paquets de 5 cartes. Voilà, donc là, la partie va pouvoir commencer. Alors, au début du jeu, on doit préparer une... un paquet de cartes qu'on va appeler des cartes danger. Alors, il nous faut 8 cartes comme ceci, 4, 6, 8, et 4 cartes calamité, qui nous enlèveront 4 points en fin de partie si on en a dans notre jeu. Donc je vais les mélanger. Voilà, mon petit paquet de 12 cartes. Et là, ce paquet de cartes-là, on le met face visible. Donc, comme ça, on voit toujours la première carte qui est dessus. Donc, on va choisir nos cartes. Donc, pour ceci, on prépare 2 zones avec 2 cartes.
Voilà. Alors, on a des nouvelles cartes qui sont des cartes trésors qui nous donnent, par exemple, ici, deux jetons soldats. Ça peut donner aussi d'autres ressources. Donc, je pense que je vais... Donc, je dois choisir un des deux paquets. Et je vais donc choisir ce paquet-là pour les deux ressources. Donc, je vais les placer dans ma zone de jeu. Et je vais faire ça quatre fois par phase, en fait, de jeu. Il y a quatre phases de jeu. Et donc, ça, c'est la première phase. Le paquet que je ne choisis pas, j'y mets une carte danger. Donc, ça peut être aussi bien une carte développement qu'une carte calamité. Mais je ne peux pas la voir. Je pourrais la voir en dépensant un de mes jetons espion. J'en ai qu'un d'utilisable en début de partie. Et la deuxième zone de jeu, je vais mettre ceci. Alors, je pense que je vais quand même prendre ce paquet-là. Parce que ce sont des cartes quand même avec des points. Et notamment, deux points par carte monument. Et j'aurai déjà une carte monument. Il faut quand même que je parte sur de l'or. Hein. C'est une carte qui coûte assez cher, ça. Donc, je vais prendre ces deux cartes-là. Je remets une carte danger. Et je remets deux cartes dans la deuxième zone. Donc, pareil, je suis plutôt tentée quand même de prendre ceci. Parce qu'il y a deux points par carte monument et ça va comboter quand même avec ces cartes-là. Hein. D'autant plus qu'ici, j'ai trois points par carte. Alors, ces cartes-là s'appellent des cartes compagnie. Alors, je vais tout remonter là parce qu'on voit pas bien, je trouve. Donc là, je remets une carte danger. Donc là, il y a très peu de chances que je prenne ce paquet-là. Parce qu'avec mon jeton espion, je vais pouvoir en révéler qu'une. Il y a quand même risque qu'il y ait des calamités dans l'autre carte. Et d'autant plus que là, j'ai une carte trésor qui me rapporte deux cubes violets. Donc je vais plutôt prendre ce paquet-là. Voilà. Donc ces cartes-là, sans les regarder, je vais les défausser. Donc là, voilà toutes les cartes que je vais pouvoir choisir en ce début de partie. Donc je pense que je vais partir là-dessus, ne serait-ce que pour le fait que ces cartes-là combattent au niveau des monuments. Je vais récupérer les deux soldats et les deux populations. Alors, je regarde un peu ce que je peux construire. Je vais construire de toute façon cette carte parce qu'elle me rapportera de l'or, parce que là, il me faudra quand même de l'or. Et je vais poser mes deux cubes ici. Ensuite, là, je vais mettre en construction cette carte parce qu'elle comporte un symbole comme ceci qui est compagnie. Et là, j'aurai trois points par carte compagnie. Et là, je vais quand même récupérer plutôt un cube d'exploration que je vais mettre ici parce que là j'ai pas de bleu. Voilà, puis c'est une carte quand même qui demande deux cristallium, donc je vais pas la construire celle-ci. Donc là j'ai fait ma première phase, j'ai choisi mes cartes. Je vais donc maintenant passer en phase de production. Donc comme dans It's a Wonderful World, je produis donc trois matériaux. Que je vais plutôt mettre ici pour essayer de récupérer des ressources le plus vite possible et ici. Et je produis un cube de population que je vais mettre ici. J'ai donc construit les savants. Les savants me donnent un cristallium et me permettront de produire de l'or. Le l'or que je vais produire dès ce tour. Donc je produis un or que je vais mettre ici, ou plutôt ici, oui, ici, parce que cette carte elle a quand même un bonus là de deux soldats lorsque je l'aurai construite, donc autant le faire le plus vite possible. Donc là j'ai fini ma première phase. Alors on a un petit jeton contour que j'aurais dû mettre en phase 1, et donc là je passe en deuxième manche. Voilà. Alors, en deuxième manche, je révèle deux cartes de chaque côté.
Et comme tout à l'heure, je vais choisir. Donc là, c'est quand même une carte qui est assez sympathique, hein, puisqu'elle me permet d'avoir 2 points par carte comme ceci. J'en aurai déjà 2 dans mon jeu. Donc ça me plaît plutôt de prendre ceci. Je vais plutôt choisir ces 2 cartes-là. Je mets donc une carte danger ici. Et je révèle mes 2 cartes. Alors j'ai oublié quelque chose, c'est qu'à la fin d'une manche, on retourne un jeton espion et là j'en ai 2. Donc là je suis plutôt tentée de prendre le trésor, hein, la carte avec le paquet avec les trésors. Je révèle donc 2 cartes ici. Et je vais mettre une carte danger ici. Donc j'ai quand même envie avec mes 2 jetons espion que je vais retourner. Je vais regarder ces 2 cartes face cachée. Donc dedans il y a une calamité. Et donc je ne sais pas si je vais prendre ce paquet là. En même temps ça va me produire du violet. J'ai besoin de violet. Je vais peut-être prendre quand même, tant pis pour les 4 points en moins. Parce que ça produit. Mais celle-ci aussi a produit du violet. Hein. Non, je vais peut-être plutôt prendre ce paquet-là alors. Voilà. Parce que j'ai du violet sans les 4 points en moins. Et là, je remets une carte de danger. Bon, là, évidemment, je vais prendre ce paquet-là puisque j'ai une carte trésor hein, avec 2 bleus. Voilà. Donc, la phase de choix des cartes est faite. Je vais donc voir ce que je peux construire. Alors, cette carte-là me rapporte... je vais la construire hein, parce qu'elle me rapporte quand même 3 soldats. Donc là, je vais récupérer... Là, j'ai des trésors. Et donc, le problème, c'est que je ne produis pas beaucoup d'or. Je vais donc construire cette carte qui produit de l'or. Ensuite, alors des violets. Je vais construire cette carte qui produit du violet. Et là, je pense que je vais tout simplement récupérer les ressources. Parce que je vais récupérer de l'or... et de l'exploration et de la population en violet. Alors avec ces 2 cartes, je prends 2 ors que je vais mettre ici et une population que je vais mettre ici. Là, je vais prendre mes 2 matériaux. Je vais les mettre ici et 2 bleus. Donc j'en mets un ici. Et un sur ma carte, ici. Donc là, je vais passer en phase de production. Je produis 3 matériaux. Alors, je vais en mettre... Alors, je vais plutôt les mettre là, 2 ici et 1 ici. Cette carte est construite. Elle va me donner de la population en plus. Donc là, je produis 3 populations. Donc je mets 2 cubes ici et 1 ici. La carte navigateur est construite et me rapporte 2 jetons soldats. Pour la production d'or, je produis un or que je vais mettre ici. Et je produis 2 cubes d'exploration que je vais mettre ici. Donc là, on va pouvoir passer en phase 3. Et je retourne un jeton espion.
Alors, je regarde un petit peu au niveau des quêtes. Si je paye 4 soldats, je peux prendre jusqu'à 2 cartes monuments dans la défausse. Mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Placer 6 matériaux pour récupérer de l'exploration. Payer 7 or pour gagner 4 cristalliums. Bon. Je ne suis pas du tout sûre de faire les 3 premiers objectifs là. Hein. Donc, je passe en manche numéro 3. Donc, je révèle 2 cartes. Alors, le trésor avec l'or, forcément, va m'intéresser. Et je révèle 2 cartes ici. Et donc là, c'est un trésor avec 2 bleus. Donc, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je vais prendre plutôt ça, parce que là, je vais récupérer 2 soldats avec cette carte. Donc, je vais prendre plutôt ce paquet-là. Donc là, je mets une carte danger et je révèle 2 cartes pour le deuxième paquet. La caserne, c'est la même chose que ça. Alors, même si j'ai pas besoin de bleu, est-ce que je révèle là Je vais quand même révéler cette carte avec l'espion et je vais prendre ce paquet là. Donc c'est mon deuxième. Je mets une carte danger ici. Et pour le deuxième paquet, donc beaucoup d'or mais des cartes à 6 points. Parce que là j'ai pas beaucoup de cartes. S'il y aura quand même des points en combo, je vais quand même prendre ce paquet là. Donc je révèle la deuxième zone et là je mets une carte danger. Là je vais pas prendre le risque de prendre 2 cartes danger, je vais prendre ce paquet là. Voilà. Et là je défausse. Donc je vais choisir mes cartes, sachant que j'ai 2 trésors comme ceci. Alors je vais avoir du bleu, donc ce serait bien que j'ai des cartes avec du bleu. La grande arène, elle nécessite de l'or, mais 2 bleus que je vais pouvoir utiliser. Je vais pouvoir quasiment la construire en fait, hein, avec le trésor ici. Ensuite, je vais construire le... Alors qu'est-ce que j'ai comme carte qui rapporte des points? 4 bleus là. Oui, je produis 2 bleus. Je vais la mettre celle-ci. D'autant qu'elle me donnera un cristallium. Donc là, je vais produire 3 matériaux. Donc celle-ci va être construite. Les violets, j'en produis un peu. Je vais quand même mettre celle-ci. Le jardin botanique avec 3 or. C'est beaucoup 3 or. Hein. Je vais peut-être pas la construire. Je vais récupérer la ressource en fait. Je vais mettre celle-ci en construction parce qu'avec 3 matériaux, on récupère 2 soldats. Et là, je vais récupérer les ressources. Donc, une population que je vais mettre ici. Un cube d'exploration que je vais mettre ici. Et un or que je vais mettre ici. Alors, je récupère également 2 or et 2 cubes d'exploration, donc un ici et un ici. Voilà. Donc, cette carte est construite. La grande arène, qui me rapporte 2 soldats. Je vais pouvoir passer en phase de production. Je produis 3 matériaux. Je vais en mettre 2 ici et 1 ici. Donc là, j'ai construit la carte percepteur qui va me donner des ors. Je produis 3
population. Je vais en mettre une ici, et une ici. Donc cette carte est terminée. Elle me rapportera au prochain tour autant de matériaux que de cartes avec ce symbole. Je produis 3 ors. Une ici et 2 ici. Et je produis 2 bleus que je vais mettre ici. Voilà. Alors je vais peut-être construire aussi avec le cristallium, mes deux violets et le cristallium, la carte artificier qui me rapporte 3 soldats. Je n'oublie pas mon objectif de 12 à la fin de la partie. Ah, et j'ai complètement oublié 2 cartes bleues. Donc là, j'en ai une. Il faut que j'en fasse une deuxième. Ces cartes bleues sont des cartes découvertes. Voilà, ben là, je vais m'en passer en manche 4. Et je vais retourner un jeton espion. Alors, je continue à révéler mes deux zones, 2 cartes dans chaque zone. Donc ce sont des cartes sans points. Qui ne m'intéressent pas plus que ça en fait. À part pour leurs ressources peut-être. Je vais prendre ce paquet-là. Je vais mettre ici. Je mets une carte danger ici. Et je révèle 2 autres cartes. Donc il faut une carte avec du bleu, hein, avec ce symbole-là. Ça serait bien quand même. Donc je vais prendre ces 2 cartes-là. Je vais utiliser un jeton espion pour révéler une carte. Alors, c'est une carte, ça m'intéresse cette carte en fait, hein, parce qu'elle va produire 3 soldats. Là, je vais prendre ce paquet-là et on va voir. Et j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que c'est une carte bleue à 7 points qu'il faut absolument que je construise. Donc, je prends ces 4 cartes-là. Ici, je mets une carte danger. Et je vais prendre plutôt ces cartes-là, en fait. Hein. Celles-ci produisant 3 cristallium. Voilà. Donc là, on est sur la dernière phase de jeu. Je n'ai pas récupéré de cartes calamité. En même temps, j'ai pas beaucoup été dans le paquet où il y en avait. Donc là, je vais quand même regarder les cartes qui ont des points. Voir ce que je fais. Il faut que je construise absolument 2 cartes comme ça. Donc il me faut des bleus, et les bleus j'en produis 2. De l'or, j'en produis 3. Ben, je vais peut-être plutôt... Non, je vais prendre celle-ci parce qu'elle vaut 7 points. Celle-ci, parce qu'elle me rapporte 3 soldats. Bon, celle-ci, je pense que je ne vais pas pouvoir la construire. Je produis 3 ors et il en faudrait 2 de plus. Donc ça non. Au niveau des matériaux, j'en produis 4. Il faudrait que je récupère un matériau. J'en ai pas là. Parce que là, il m'en faut 5, 6 même des matériaux. Là, je vais récupérer 2 cristallium. Là, les 3 ors, je les aurai pas. 2 cristallium, ils iront ici. Au niveau des violets, je vais en produire... Ah, j'ai les matériaux, je vais en produire plus que ça. Je vais en produire 3, plus 1 par carte... Les cartes compagnie avec ce symbole violet. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais en produire 7.
des matériaux. Donc là, il m'en faut 6. 6. J'aurais le droit à un cristallium de plus. Je pense que je ne vais pas produire plus de cartes que ça. Je vais produire 2 violets. Non, bah, je vais rester comme ça. Je vais prendre les... À quoi que je peux récupérer 3 violets, là. Je vais récupérer 4 bleus. 6 bleus. Je vais peut-être mettre celle-ci à construire quand même, ça devrait passer ça. Parce que je vais récupérer 5 bleus. 2 plus 3. Un or. Bon, je vais récupérer toutes les ressources. Alors, 3 populations. Une ici et 2 ici. Un or. Ici. Et 3 bleus. Un ici, 2 ici. Je produis donc 3 matériaux plus 1 par carte avec ce symbole là, donc je produis 7 matériaux. Alors le bonus de suprématie, c'est un jeton soldat, mais on ne peut pas le prendre directement, on doit le mettre dans une zone qu'on appelle la zone d'entraînement, et je pourrais le prendre qu'au prochain bonus de suprématie, donc je suis pas sûre de pouvoir l'obtenir. Alors là, j'en mets 2 ici, 1 ici, 3 ici, et 1 ici. Alors, cette carte est construite, la haute muraille, elle me rapporte 2 soldats. Cette carte aussi est construite, la caserne. Elle me rapporte 2 soldats. Cette carte, le temple enfoui et construit, me rapporte 1 cristallium. Celle-ci aussi, la cour royale. Donc après les matériaux, je produis de la population, donc 1, 2, 3. J'en mets 1 ici. Les 3, ils vont ici. Avec 5 ressources, je fais 1 cristallium. Alors ensuite, au niveau de l'or, j'en produis 3. Donc 2 ici et 1 ici. La force alchimique est construite et me rapporte 3 soldats. Et je produis 2 bleus. Donc je vais en mettre 1 ici. Un ici. Alors les jetons soldats, il m'en faut 12. Il faut que j'ai 2 cartes bleues, 2 construites. Donc je vais avoir celle-ci. 2, 4, 6, 8, 10, 12, j'en ai 14. Alors avec les 2 ici, je construis l'île de Darakis, qui me rapporte en plus 7 points et 2 cristallium. Je mets 2 cristallium ici pour construire le Panthéon. J'utilise un cristallium ici pour construire l'avant-poste qui me rapporte un jeton soldat. Et là, j'ai plus de cartes. Au niveau des quêtes, alors, payer 12 soldats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Payez 12 soldats, ayez 2 cartes
avec ce symbole bleu, deux cartes découvertes, donc je les ai, une et deux. Gagnez deux cristalliums si vous complétez cette étape avant le début de la quatrième manche. Donc là, c'est pas le cas. Hein. Donc voilà, donc cette étape, elle est faite. Donc on peut dire que la partie est gagnée. Maintenant, est-ce que j'ai fait les 70 points requis? C'est pas sûr du tout. Hein. Donc ça, ça va aller ici. Et il me reste trois jetons soldats qui ne comptent rien en fin de partie. De même que les cartes qui sont sur. Que les ressources qui sont sur cette carte. Il y avait juste si j'aurais pu utiliser en fait ces ressources. Pour les étapes qui coûtent des ressources, les joueurs peuvent utiliser les ressources qui sont dans leur zone d'alchimie. Mais bon, là, de toute façon, j'ai plus de cartes à construire. Voilà, donc maintenant on va passer au décompte des points. Alors pour le décompte des points, on a un petit plateau effaçable, donc ça c'est plutôt sympa. Et un petit feutre qui est fourni dans la boîte de jeu. Alors, au niveau des cartes, je vais mettre d'un côté celles qui combattent, celles qui ont des points bruts. Je vais remonter pour qu'on puisse les voir. Et de l'autre, je mets ici celles qui ne rapportent pas de points. Alors, là, il y a une combo. Donc au niveau des points bruts, j'ai 13, 15, 17 points. Ensuite, je vais mettre ceci. Voilà. Alors, j'ai 5 points par carte avec le symbole violet, ce sont des cartes compagnie. Donc j'en ai une, deux, trois. 4, 5. 5 fois 5, 25. Ensuite, j'ai 4 points par carte monument. J'en ai 1, 2, 3, 4. 4 fois 4, 16. Rien au niveau des cartes bleues, qui sont des cartes découvertes. Pas de points négatifs. Et au niveau du total, donc 25 et 16, 41. Et 17, 58. Voilà, 58 points. Donc je n'ai pas obtenu l'objectif qui était de 70 points. Voilà, donc il y a encore de la progression à avoir. Mais bon, j'ai quand même réalisé la quête, ce qui est déjà pas mal. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt.